Eh bien bonjour à tous et à toutes, amis, c'est Captain Flowcross et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction sur plusieurs bandes annonces de jeux vidéo. Donc let's go, c'est parti. En fait je regarde la bande annonce de Luigi's Mansion 3 parce qu'il y en a une nouvelle qui est sortie hier qui dure 5 minutes et qui montre largement plus de trucs que celle de 30 secondes. Pourquoi il y a leur tête? Accompagné de Mario et tous leurs amis, serait-ce trop beau pour être vrai? Et malheureusement, c'est le cas. Mario. Effectivement, il se passe quelque chose d'étrange dans cet hôtel. Et Mario et ses amis ont été kidnappés. Luigi saura-t-il prendre son courage à deux mains pour sauver ses amis? Ouah, pourquoi Luigi c'est toujours le seul qui s'est pas enlevé? De toute façon, il aura plus de Luigi's Mansion 3 en fait. Piste de danse. Cet hôtel est indubitablement plein de surprises. Il est stylé cet hôtel, oui. Et de fantômes. Et des beaucoup de fantômes. Psychopathe. Il est temps de dégainer l'Ectoplast GLU. Cet aspirateur survitaminé est parfait pour se débarrasser des fauteurs de troubles. Étourdissez-les avec le spectroflash. Et aspirez-les avant qu'ils ne s'enfuient. GLU. Glu. En plus de l'aspiration, vous pouvez aussi souffler de l'air pour résoudre des énigmes et utiliser le révélation. Mais le chien, hein, quand il est gentil, il a pas de pupille dans les yeux. Mais attendez, le Smashion 2, il en avait. Hein. Cet appareil a vraiment plus d'un tour dans son sac. Tout d'abord, la projection. Aspirez un fantôme, puis aplatissez-le au sol pour lui infliger plus de dégâts. Vous pouvez même l'utiliser pour aplatir d'autres fantômes. C'est fort pratique. Découvrons maintenant le lance-ventouse. Visez, lancez votre ventouse et tirez. Vous pourrez ainsi faire valser des objets encombrants, détruire des portes, oh pardon monsieur, ou arracher le bouclier d'un ennemi récalcitrant. Soyez créatifs. Ah oui, et pour finir, n'oublions pas la bourrasque. L'Ectoblast peut propulser Luigi dans les airs. C'est idéal pour tenir à l'écart des fantômes un peu collants. Collants. Mais également pour se déplacer. Pour sauter en haut. Connaissez-vous Luigi? Bah oui, on le connaît, c'est mon pote, wesh. Qui le connaît pas en 2019, quoi. Composition étonnante, il peut se faufiler à travers les grilles. Et se glisser dans des trois tuyaux. Vous pourrez toujours compter sur Luigi pour vous aider toujours à déjouer les pièges et résoudre les énigmes. Il est invincible. Ah oui, par contre, pensez bien à garder Luigi au sec. Si vous jouez seul, alternez entre Luigi et Luigi. Et à deux, passez un Joy-Con à un ami pour qu'il contrôle Luigi. À chaque étage, un fantôme notable vous attend. Provoquez Charles Minus. Il est stylé, lui. Chevalier. Faites face au capitaine Dandecy. Lui, il est encore plus stylé dans deux cils. De suivre le rythme de DJ Fantasmagloria. Il est stylé aussi. Ils sont tous stylés. Et vous devrez utiliser tous vos talents pour en venir à bout. Pour vos soirées en multijoueur, partez explorer la tour hantée. 8 joueurs peuvent jouer ensemble avec 4 consoles Nintendo Switch. Les étages de cette tour changent à chacune de vos visites. Séparez-vous pour les explorer et coopérez pour éradiquer les fantômes. C'était violent. Regarde comment on les plaque au sol. Selon les étages, différentes missions sont proposées. Casse les trucs.
Il est violent dans ce jeu. Luigi est devenu violent. Arriverez-vous à atteindre le sommet de la tour ? Ah oui, vous pourrez aussi faire équipe avec 7 autres chasseurs de fantômes en ligne. Saviez-vous que Luigi's Mansion 2 c'était mon tout premier jeu ? À moi. Genre vraiment à moi. Dans les jeux de l'étrange, 8 joueurs peuvent s'affronter sur une même console Nintendo Switch. Êtes-vous plutôt équipe Luigi ou bien équipe Luigi ? Capturer des fantômes. Moi je suis Luigi, qui n'est pas. Qui est Luigi ? Mais Luigi il a pas d'épaule. C'est de la c'est du truc chelou là. Vert. Ah, oh, ça se trouve c'est du caca. Caca liquide. Purée, je parle de quoi? New bonne annonce. Oh non, votre train il s'est fait supprimer. Monica a dû passer par là. Oh là là, il regarde tout ce mec jouer à Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Fight, 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 fight. Come, come, come. Oh, 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 hypercute, 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 hypercute. En 2D, c'est trop stylé. Ouais, c'est bizarre, genre, t'es tranquillement en train de jouer à ta Switch et t'as des gens autour qui sont là. Oh! Oh oh. One one. Il était pieds nus. Oh oh oh. Tout à l'heure ça avait bugué là. Genre ça m'a fait bugger ma vidéo. Oh John, c'est parti. New bonne annonce normalement là dans peu de temps. Ah oui, c'est Sega, j'ai pas mis celle de Nintendo, j'ai pas trouvé. Animal Crossing. Oh non, pub! Pourquoi Dr. Sleep? Dr. Sleep? Dr. Sleep? Game Memes. Ah merci. Ah oui, c'est en anglais. Lisez les sous-titres. Un séjour plein de détente vous attend dans un paradis naturel. Pour vous et pour les clients de notre formule évasion. Bon, c'est Animal Crossing pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Le temps est venu de toutes les choses qu'il y avait sur une île déserte. C'est une île déserte. Pourquoi il y a l'herbe? Pourquoi il y a des gens qui courent? Pourquoi t'as Tom Duke sur une île déserte? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi t'as une radio sur une île déserte? Pourquoi t'es sur une île déserte? Oui, parce que c'est le truc Tom. Il t'a arnaqué, Tom. C'était quoi ça à côté? Ça m'a fait peur. Lock. Nook Phone. Ah oui, c'est trop stylé. Tu peux faire des photos. Ça se trouve, il y a des. Genre, tu peux jouer à Mario Kart Tour sur le téléphone dans ta Switch. Oh. Oh, on peut créer des trucs. Je crois que c'est le but du jeu en fait de créer des matériaux. Vous savez que cette meuf, la tour, c'est bien, elle était dans ma ville avant, dans Animal Crossing New Leaf. Avec de la pierre et tout, vous pouvez créer des trucs de pierre. C'est chelou les trucs qu'il y a à côté. Vous pourrez parler. Utiliser. Pourquoi je dis parler? Comme ceci. Fabriquer encore d'autres objets. Les meubles peuvent être placés à l'intérieur. Bah encore heureux. Et à l'extérieur. Oh, ça c'est, il manque ça dans New Leaf. Qu'on puisse mettre les objets à l'extérieur. Parce que moi, du coup, il y a plein d'objets par terre et c'est dégueu. Genre plein de petites feuilles, gars. Retournons au bureau des résidents. Ici, nous vendons des outils et des meubles. Nous achetons aussi les objets dont vous n'avez plus besoin. Dans les mauvaises herbes. On peut vendre des mauvaises herbes. Ah non, il nettoie. Non, c'est la femme de ménage. Oh le pauvre. Oh
Il est grand. Il y a de nombreuses manières de profiter des plaisirs de la vie insulaire. Pêcher, attraper des insectes ou arroser des fleurs. Il est trop beau le jeu. C'est trop stylé. C'est violent. Ah, il n'y a plus besoin de hache. Tu t'as juste à couper. C'est violent. Ah non, après tu peux les replanter. Ah, j'ai eu peur, j'ai vu que c'était violent. Go dévore. Non, j'ai failli dire un truc mauvais. Il peut pleuvoir. Vous verrez aussi différentes créatures à attraper. Créatures. Oh, ce mec, il a été dans ma ville avant. Purée, il y a plein de personnages qui étaient dans ma ville. Animal Crossing New Leaf. Le logo, il vient de Sarah. C'est qui, Sarah? Attends, il y avait qui d'autre comme prénom? Attends, il y avait Aya et Hisashi. Mais c'est qui Aya et Hisashi? Ah, c'est eux. Attends. Il y a un mec qui s'appelle Sarah et un mec qui s'appelle... Non, bah tu vois, Aya, ok, mais Hisashi, ça fait un... je sais pas, mais... Sarah, un mec. C'est bizarre. Je suis choqué de ça. Ah ouais, c'est tellement parfait. Et t'as le geek derrière, là, le petit geek, et celui qui dort, là. Et t'as celui qui pêche, là. Lui, il est stylé, les autres, ils rigolent. C'est trop beau. Ah, les champignons, c'était moche. Regarde, c'est trop moche les champignons. Pourquoi il dort pas quand tu vas? Mais les champignons, c'est moche. C'est moche. Hey. Ah oui, ça c'est trop stylé de pouvoir créer des chemins. Putain, mais tout sur Switch stylé. Ah oui, ça. Normalement, après, tu... Ah non, non, et tu les vois courir. Tu sais que le jeu, il était reporté. Nouvelle bande-annonce. De je sais plus quoi. Ah, il y a deux bandes-annonces. Ouais, ça sert à rien, la deuxième. On va passer. Ah oui, je crois que c'est un vrai YouTuber, ça. Ah voilà, Pokémon épée et bouclier, bon annonce. Elle est stylée cette bande annonce. Genre version Advance, Game Boy, DS, après 3DS, et après Switch. Pourquoi tous les jeux Switch ils ont l'air stylés? Ça me saoule. Ah, ça c'est un jeu indé, je crois. Je sais pas en fait. Alors c'est Conquer, mais version pas Conquer. C'est un renard. Là, bon, je crois qu'elle dure 5 secondes. Mais ce jeu il a l'air stylé. Du coup, bah je le mets dedans. Parce que j'aime bien les jeux stylés. Pourquoi la Switch elle est bien? Pourquoi elle est pas nulle? Comme ça, je veux pas l'acheter. Une autre bonne annonce. T'as un autre jeu indé. Je sais pas si j'ai pris une bande annonce au hasard. Ah ouais. C'est qui? C'est quoi comme jeu? C'est quoi le prénom? Je sais même plus. C'est quoi comme jeu? Putain, il s'est passé, mais c'est... Oh, les bâtards. Oh, une araignée. Ah, pourquoi il y a la lumière qui apparaît quand tu tues l'araignée? C'est quoi cette voix, mais... Mais le jeu, il a l'air bien.
Ouais, je crois que j'ai juste pris parce qu'il y avait un petit bonhomme bizarre sur la miniature. Oh, une taupe! Ouais, il a l'air bien le jeu. En plus, il est payant. Tous les jeux payants, ils sont bien. Normalement. Si tu fais un jeu payant et que c'est de la merde, non, c'est que t'es un gros con. Tu sais pas faire de jeu. Elle est bizarre la voix au fond. Voilà, parce qu'il y avait un bonhomme bizarre et du coup j'ai cliqué. Donc je savais pas que c'était un jeu comme ça. Genre j'ai pris des jeux à ça. Et je crois qu'après c'est une balance que d'un jeu qui est déjà sorti. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, il dort. Échoué sur les rives d'une terre mystérieuse. Un naufrage. Oui, merci. J'ai même pas pu lire. Mettez sur pause. Comme ça, vous pourrez lire. Comparé à moi. L'œuf de Yoshi. Oh merde, on l'a pas vu. Bah, normalement, il y a un œuf de Yoshi. Oh, il y a Mario. Il y avait un. Je sais pas, il m'a fait pour ça, Mario. Oh, il y a Tom Nook. Putain, ce jeu, c'est une référence entière. Ah non, je crois que c'est vraiment un personnage Zelda. Oh, il y a des pokés. Oh, il y a des ennemis bizarres. Oh, il mange des pommes rapidement. Il mange même le trognon. Ah, il mange le trognon avec les pépins et le... Oh, voilà. Ah. Oh, il fight un cochon. Oh, c'est quoi ces petites bouboules? Oh, le cyclope. Oh, oh, et comment il jette Link. Oh, l'ennemi dans Medieval. Oh, l'oiseau. L'œuf de Yoshi. Il est dans un temple. Oh, oh, Dumpé. Ah, mais on peut créer ses propres trucs. Déjà, on peut placer les trucs où on veut. Genre, tu peux créer tes donjons, mais c'est pas vraiment créer tes donjons. Tu peux placer les cases où tu veux. Oh, il monte sur l'œuf de Yoshi, je crois. Là. Ah oui, c'est, il va faire tomber l'œuf de Yoshi. Il va mettre un coup d'épée comme ça. C'est quoi ces doigts? Putain, je fais des voix bizarres. New Balance. Ah oui, je l'ai mis parce que c'était Game Loft qu'il avait fait. J'aime bien donc ça régas, du coup, je l'ai mis là. Ce Game Loft. Parce qu'en fait, je me tape cette pub tout le temps avant que ça régasse. Du coup, je me suis dit, purée, c'est qui l'a créé pour qu'il y ait toujours ça. Et en fait, j'ai regardé la bonne annonce et j'ai vu qu'en fait, il y avait le logo Game Loft. Et je me suis dit, ah, c'est Game Loft. Du coup, c'est pour ça. Et du coup, bah voilà. Regardez, il y a Game Loft. C'est pour ça qu'on se tape la pub tout le temps dans Kongstar Vegas. Ah oui, New Balance. Un truc de Stranger Things dans Rocket League. Todoum. Je crois que c'est ça. Bah, je crois que c'est ça. Hein. Là. Elle est stylée ce véhicule. Ouais, vous avez quoi, c'est Stranger Things, Rocket League. Désolé. Premier crossover jeu vidéo ludique avec Netflix. Non, c'est pas du tout vrai, mais c'est pas grave.
Voilà, donc c'est fini, les amis. Donc, bye et à une prochaine vidéo.